Unité constituée quelques mois avant le débarquement de Normandie, la division SS Hitlerjugend était une division blindée allemande de la Waffen-SS. Elle est considérée comme l'adversaire le plus redoutable et impitoyable que les Alliés eurent à affronter en Europe. Avec le meilleur de l'encadrement de la Waffen-SS, les jeunes fauves du Führer opposèrent une résistance farouche dans les batailles de Caen et de Falaise. Elle était composée de soldats dont 97% avaient moins de 25 ans en juin 1944. Issue de la Hitlerjugend et de cadre de la 1ère SS Panzerdivision Leibstandarte SS Adolf Hitler, elle est initialement une Panzergrenadierdivision avant d'être officiellement une Panzerdivision à part entière. Le Standartenführer Kurt Meyer, auquel ses exploits ont valu le surnom de Panzermeyer, Meyer le blindé, où le Sturmbannführer Max Wünsche avait été placé en chef de meute. Plus que toute autre unité d'élite de la Wehrmacht ou de la Waffen-SS, la 12e Panzerdivision était impitoyable au combat, dû à son entraînement plus que rigoureux. Depuis bien longtemps dans le Reich en guerre, ils vont manger à leur faim. Ces jeunes n'ont pas terminé leur croissance. À chaque visite médicale, les infirmiers qui les passent sous la toise s'aperçoivent qu'ils ont encore grandi. Ils s'affinent, se durcissent, se raidissent. Peu à peu, ils deviennent des hommes tout autant que des soldats. Mais les ordres sont formels. Avant 18 ans, aucun d'eux n'a droit de fumer la moindre cigarette. Lors de la perception de tabac, les plus jeunes reçoivent des bonbons. Pour eux, peu importe les nouvelles sur les autres fronts, ils doivent s'entraîner, continuer l'instruction. Les manœuvres ont commencé en janvier et se poursuivront pendant les 5 premiers mois de l'année 1944. Maintenant, la division que commande le Brigadeführer Fritz Witt arrive au plein de ses effectifs et comporte environ 20 000 hommes. Au début du mois d'avril 1944, la division Hitlerjugend reçoit l'ordre de quitter la Belgique. Les diverses unités s'installent à Évreux, à Bernay, à Vimoutiers. Dès le mois de mai, on annonce la venue du grand chef, le colonel général Guderian, inspecteur de toutes les troupes blindées du Reich. Guderian se montre très impressionné par cette unité de 6 jeunes combattants. Un nouveau changement déplace les unités qui gagnent la région de Train et de Chambois, à une dizaine de kilomètres de la ville normande d'Argentan. Dans le camp allemand, en ce printemps 1944, tout le monde attend l'invasion, mais avec la seule certitude de savoir que les Alliés vont frapper. Personne ne peut prévoir ni quand, ni où.
depuis minuit, la bataille de Normandie a commencé. Pourtant, personne au grand quartier général n'a osé réveiller le Führer. Il dort. Beaucoup de grands chefs de l'armée allemande croient qu'il s'agit encore d'une vaste opération de diversion. Pour eux, le véritable débarquement doit avoir lieu dans le Pas-de-Calais. Il est 4h de l'après-midi quand le brigade Führer vite dicte à Übermeier de nouveaux ordres. Toute la division fera un mouvement pour s'établir à l'ouest de Caen. L'état-major se déplacera à la pointe nord de la forêt de Grimbault. Les camions recouverts de feuillage ressemblent à des grands buissons. Les jeunes soldats de la Hitlerjugend ne cessent de lancer des plaisanteries qui provoquent d'intarissables fous rires. Ils abordent la guerre comme un grand jeu. Mais les chefs qui ont déjà connu l'épreuve du feu restent silencieux. L'instruction est terminée, le combat commence. Des chasseurs-bombardiers alliés surgissent du ciel dans le fracas de leurs moteurs. On entend tout de suite des rafales de mitrailleuses, des explosions de torpilles. Les balles et les éclats cisaillent les branches. Étrange baptême du feu, si différent de tout ce qu'imaginaient les jeunes loups du Führer. Ils ne chargent pas en chantant et en hurlant, mais se terrent, rampent, gémissent quand un éclat d'acier soudain les frappe dans le dos. Voici les premiers morts et les premiers blessés. Ils seront tombés sans avoir rien connu de la bataille. Une course de vitesse s'engage. Qui arrivera le premier dans la banlieue de Caen et sur l'aérodrome de Carpiquet? Les Canadiens du major général Keller ou les Waffen-SS de Fritz Witt? Le commandeur de la division Hitlerjugend a confié l'avant-garde de sa colonne au chef du 25e régiment de grenadiers, le Standartenführer Kurt Meyer. Panzermeyer n'a aucune idée de la progression alliée. Il ne sait pas non plus où s'établit la défense allemande. Il fonce dans le crépuscule en n'ayant qu'une hâte. Arriver le premier au faubourg situé au nord-ouest de Caen. Bousculer l'ennemi, les rejeter à la mer. Panzermeyer repère sur la carte un bon observatoire, l'abbaye d'Ardennes. Il y expédie aussitôt un de ses officiers d'ordonnance. L'abbaye est construite en bonne pierre de Caen, et depuis de nombreux siècles, elle a défié bien des invasions. Kurt Meyer note surtout les deux clochers trapus qui s'élèvent haut dans le ciel au-dessus de la plaine. Voilà pour lui un poste d'observation idéal. Tous les soldats de la Hitlerjugend sont bien entraînés à se camoufler. Les anoraks mouchetés de vert et de brun sont invisibles à quelques mètres. Les jeunes loups du Führer se sont noircis le visage, puis ont accroché quelques branchages à leur équipement et à leur casque. Fondus dans le paysage, ils sont désormais aussi invisibles que redoutables. Les équipages de chars Sherman essaient de repérer les nids de mitrailleuses. Les fantassins canadiens, appuyés par les chenillettes d'infanterie, poursuivent leur avance. Un blindé canadien traverse lentement les clos plantés de pommiers qui entourent le hameau de Saint-Contest, situé entre le village de Buron et l'abbaye d'Ardennes. Le char s'arrête soudain, une écoutille s'ouvre, une tête surgit, puis tout le buste. Les officiers allemands distinguent très nettement le visage de celui qui commande le char ennemi. Le canadien porte ses jumelles à ses yeux et observe le paysage autour de lui. Il allume tranquillement une cigarette. Chaque SS retient son souffle, comme s'il pouvait entendre à cette distance le claquement du briquet. Rapidement, les observateurs allemands découvrent quelques chars qui se dirigent de Buron vers Oti. Ce sont les rudes gaillards du North Nova Scotia Highlanders. Le duel va commencer entre le Standartenführer Kurt Meyer et le lieutenant-colonel Charles Petsch. Les léopards de Sa Majesté vont affronter les jeunes loups du Führer. Les blindés allemands attaquent. Tous les canons de ces chars semblent aboyer au même instant. Des éclairs rouges surgissent des bosquets. La terre tremble sous le fracas assourdissant des coups de départ. Le char de tête des Canadiens est atteint de plein fouet à la première rafale. Il commence à brûler. Les hommes d'équipage ouvrent les écoutilles, sautent à terre, se dispersent à travers la plaine. D'autres chars ont été atteints et explosent l'un après l'autre. Un char allemand s'est découvert, reçoit un obus et commence à brûler. Dans le village d'Oti, les jeunes SS bondissent à leur tour hors de leur cachette. En quelques minutes, les Canadiens voient tout le flanc de leur attaque menacé par ces jeunes garçons dévalant brusquement de tous les couverts en hurlant. Ils manœuvrent impeccablement sans se soucier du sort de ceux qui tombent. Rien ne peut arrêter leur élan. Ils ne s'aperçoivent même plus que leurs rangs s'éclaircissent. Ils n'ont qu'un but, arriver aux premières maisons des villages occupés par les Canadiens.
Dans un verger, une cinquantaine de prisonniers canadiens ont été rassemblés à la hâte, gardés par quelques jeunes. Ils se tiennent immobiles, la tête baissée, les bras en l'air. Leurs uniformes, couleur moutarde, sont souillés de terre et de sang. Ils semblent à la fois furieux et surpris. Apeurés aussi depuis qu'ils ont aperçu les écussons SS. Panzermeier demande alors aux prisonniers de baisser les bras et qu'ils soient dégagés de la zone de front. Ce dernier repart alors sur sa moto, des chars canadiens se trouvent encore devant Buron et ouvrent le feu sur cet insolite motard qui surgit tout seul dans la plaine, en plein combat. Mais les canons ne se révèlent pas assez rapides pour un tel gibier. Leurs coups semblent éclater un peu au hasard. Panzermeier fonce toujours, les explosions l'entourent de plus en plus proches. Soudain, il sait qu'il ne passera pas. Impossible de franchir une telle muraille de feu. Il freine brusquement et plonge vers un trou d'obus. Des éclats sifflent dans tous les sens. On entend aussi des rafales d'armes automatiques. Il n'est pas seul. Un autre homme se trouve dans le trou d'obus. Il est à moitié couvert de terre. Mais il semble quand même évident qu'il ne porte pas un uniforme allemand. Le soldat canadien et le colonel SS se regardent, semblant aussi ahuris l'un que l'autre. Un nouvel obus les oblige à se plaquer au sol. Ils se blottissent l'un contre l'autre pour échapper aux éclats brûlants. Le colonel risque alors la tête hors du trou. Il distingue des silhouettes qui courent vers les premières maisons de Buron et reconnaît alors l'uniforme de ses hommes. Ceux-ci progressent rapidement, mais plusieurs sont fauchés par des rafales de mitrailleuses. Panzermeier sort de son refuge, rampe sur la route, bondit vers un autre couvert. Il se retourne un instant, le Canadien suit son exemple et s'efforce d'échapper au piège, prenant la direction de Cussy, sans trop savoir s'il rejoint ses lignes ou s'il va se heurter aux Allemands. Les premières heures de combat ont été très rudes. Les blessés sont assemblés au poste de secours régimentaire dans l'abbaye d'Ardennes. La plupart ont 16 ou 17 ans, mais s'efforcent de montrer le même courage que leurs aînés. Les infirmiers vont et viennent d'un brancard à l'autre. Le premier bilan est sévère. Les Highlanders et les SS de la Hitlerjugend s'entassent dans le poste de secours. Beaucoup vont mourir avant la tombée de la nuit. Pendant toute la journée du 8 juin dans le secteur situé au nord-ouest de Caen, les adversaires s'installent sur leur position, s'observent et se contentent d'activités de patrouille. D'un côté comme de l'autre, on doit reprendre des forces avant un nouveau choc imminent. Après un accrochage, les jeunes fauves récupèrent une carte qui fera le bonheur de l'officier de renseignement et de la division qui peut ainsi repérer les positions de toutes les unités ennemies sur les deux rives. Le soir du 8, Panzermeier double tout le monde et prend la tête de la colonne sur une de ses motos qu'il affectionne tant. Roh n'est qu'un village fantôme entre les lignes. Un décor pour film d'épouvante. Avec ses murs noircis, ses toits crevés, ses volets qui battent sur des pièces désertes. Les SS du premier groupe de reconnaissance ont vite exploré les maisons, les cours, les jardins, les vergers. Les combats de Bretteville-l'Orgueilleuse coûtent cher aux Canadiens comme aux SS. Ces derniers perdent plusieurs hommes. Agenouillés dans le fossé, Panzermeier profite des ténèbres pour pleurer devant le corps d'un de ses camarades. À l'aube du 9 juin, Wünsche vient d'être blessé. Panzermeier apprend qu'il a pu être évacué et dirigé vers un poste de secours. Sa blessure ne semble pas trop grave. Dans quelques jours, il pourra reprendre sa place au combat. L'Obersturmbannführer Munk, commandeur du 26e régiment, ne perd pas un instant pour enrayer l'assaut et ordonner à ses hommes de ne pas céder un mètre de terrain. Les Canadiens s'attaquent aussi au bataillon du génie de la division, dont les pionniers combattent en première ligne comme des simples grenadiers. Pendant ce temps, Panzermeier vit plusieurs épopées rocambolesques avec sa moto, échappant plusieurs fois à la mort grâce à son audace, mais aussi grâce à l'aide d'un char panthère, celui de Pfeiffer. Il ne le reverra plus vivant. Le jeune capitaine sera tué dès le lendemain. Le 12 juin, les Canadiens poursuivent leur attaque. Ils s'emparent du village de Roh. Le 13 juin, une division blindée britannique se dirige vers la côte à 2 km à l'est du village de Villers-Bocage. Le grand mouvement tournant pour envelopper Caen par le sud se confirme. Les Allemands lancent dans la bataille les troupes que le haut commandement se décide enfin à diriger vers le front de Normandie. L'unité la plus redoutable du 1er corps blindé SS est un bataillon de chars tigres, directement rattaché à l'état-major de Sepp Dietrich. À la tête de la première compagnie se trouve un lieutenant de 30 ans, Michael Wittmann, déjà décoré de la croix de chevalier avec feuille de chêne. Il a détruit en Russie 119 blindés ennemis et s'est affirmé comme le premier chasseur de chars de toute l'armée allemande. Pour les garçons de la Hitlerjugend, Michael Wittmann semble un personnage semi-légendaire, héros perpétuellement vainqueur d'un éternel feuilleton héroïque
qui effectuera en Normandie un coup de maître avant de rejoindre le 8 août ses camarades tombés avant lui. La bataille continue. Toutes les routes qui mènent vers la forêt de Grimbault où se trouve cantonné l'état-major semblent avoir subi l'assaut d'une tornade. Arbres arrachés, toitures béantes, véhicules incendiés. Tous les grenadiers des services divisionnaires et leurs gradés arborent des mines atterrées. Fritz Witt est tombé il y a une demi-heure, annonce d'emblée Hubert Meyer. Panzermeyer perd avec lui un des derniers témoins de sa jeunesse guerrière. Il se dirige vers le tertre de gazon sur lequel s'élève la rune de la vie qui marque la tombe des SS morts au combat. Après un long moment de silence, Panzermeyer demande. Qui va remplacer le commandeur? Vous-même, c'est un ordre de l'Obergruppenführer Dietrich. Le nouveau commandeur de la division Hitlerjugend sait bien que désormais, tout espoir de rejeter les alliés à la mer est perdu. Mais il peut encore causer de lourdes pertes. Depuis 10 jours, la division a subi de très lourdes pertes. Surtout en cadre. La plupart des commandants de compagnie et des chefs de section sont hors de combat. Les gradés ont pris des risques inouïs pour donner l'exemple. Les jeunes fauves ont montré encore plus de témérité. Alors dans chaque bataillon de grenadiers, l'effectif des combattants atteint à peine la valeur de 2 compagnies. Dans l'état de fatigue et de tension où sont les combattants, seul le moral leur permet encore de tenir. Les jeunes loups du Führer vivent désormais sur le fanatisme, plus encore que sur l'espérance. Le 18 juin, la 10e compagnie du 26e régiment est submergée. Il ne reste plus que des cadavres, des blessés titubants, des prisonniers que les assaillants poussent déjà vers l'arrière. Le commandeur du bataillon mène lui-même la contre-attaque au milieu de ses grenadiers. Un corps à corps s'engage, terrible, impitoyable. Les Britanniques sont repoussés vers le nord. Dans les autres secteurs du front de camp, la situation ne cesse de devenir dramatique. Les blindés de la Panzerlehr ont été obligés d'abandonner Tilly-sur-Seul. Le 21 juin 1944, jour du solstice d'été, s'annonce terrible et meurtrier. Les hommes transis frissonnent. Depuis des jours et des jours, ils ont peu dormi. Beaucoup tremblent de fièvre et d'angoisse. À l'aube du 22 juin, les mauvaises nouvelles se précisent. L'ennemi attaque à la charnière de la division Panzerlehr et la division Hitlerjugend. On se bat au corps à corps dans un petit bois à l'ouest de Tessel-Bretteville. Une compagnie de régiments blindés de la division Hitlerjugend arrive enfin en renfort. Ils sont à 100 mètres derrière les fantassins qu'ils viennent soutenir de toute leur puissance. Maintenant, ils franchissent la route de Fontenay à Cheux et commencent un autre combat, blindé contre blindé, panthère contre Sherman. Panzermeyer lance dans la bataille les ultimes réserves, un bataillon de chars du 12e régiment blindé SS. À la tombée de la nuit, les SS ont atteint leur objectif, mais à quel prix ? Le sol normand semble une enclume sur lequel s'abat, sur un rythme infernal, un gigantesque marteau-pilon. Tout n'est plus qu'une bouillie de sang, de terre et de feu. Les Canadiens enlèvent Cheux, bondissent vers Colville. Les pionniers de la division Hitlerjugend se sont battus comme tous leurs camarades des unités d'infanterie et tombent les uns après les autres, au cours de terribles corps à corps. 2 blindés britanniques ont réussi à franchir tous les barrages. 2 grenadiers les attendent derrière une haie. Malgré leurs masques de sueur et de poussière, ils gardent des visages d'adolescents. Ils n'ont certes pas plus de 17 ans l'un comme l'autre. Les chars approchent. Ils sont à quelques mètres. Un des jeunes SS bondit, une mine à la main, la plaque sous la chenille du char, comme on l'enseigne à l'exercice. Il roule dans le fossé. De l'autre côté de la route, son camarade bondit. Le Panzerfaust à l'épaule vise le second char à quelques mètres et le fait sauter d'un coup en pleine tourelle. 2 hommes d'équipage sortent en titubant et se dirigent vers les SS, les bras en l'air. Ils semblent à peine plus âgés que ceux qui viennent de les mettre hors de combat. Eux aussi ont des joues roses, des yeux bleus, des cheveux blonds que la sueur et la pluie plaquent sur le front. Les SS sont découverts les uns après les autres. Une brève rafale et ils s'écroulent, foudroyés dans leurs trous individuels. Le village de Saint-Manvieux n'est plus que ruine. Le sergent Dur est un des plus vieux sous-officiers de la division Hitlerjugend. Il vient d'avoir 24 ans depuis quelques jours. Il se bat depuis la Pologne, dans les rangs de la Waffen-SS, et fait partie de ces cadres que la Leibstandarte Adolf Hitler
a cédé à la jeune garde lors de sa création en 1943. Tous les gradés de la division Hitlerjugend, même les simples sous-officiers de troupes, savent bien que le front n'a pas de seconde ligne. Si les Canadiens arrivent à percer, leurs chars pourront atteindre l'Orne. Des tireurs d'élite allemands nichés dans la haie, derrière le mur et jusque dans les arbres du parc essaient d'abattre les gradés ennemis qui commandent l'assaut. Les équipages de chars referment les écoutilles. Le plus dur de la bataille va commencer. Dürr aperçoit un char lance-flammes et commence à courir vers l'énorme blindé. Émile Dürr ressent alors un terrible choc dans la poitrine. Il est touché mais ne veut pas abandonner le combat et se relève. Sans se soucier du sang qui coule de son torse, il retourne une seconde fois tenter de détruire le tank, et cette fois-ci le char est immobilisé. Il y retourne une troisième fois, son anorak de camouflage est trempé de sang. Le voici à bord du blindé ennemi, il n'a que le temps de plaquer l'engin de mort entre sa poitrine et la tourelle. Il ne reste plus qu'une fraction de seconde, la mine explose brutalement. Le sergent est aveuglé, déchiqueté, blessé à mort. Émile Dürr n'est pas mort. Et il est récupéré par un de ses camarades. Mais il a toute l'épaule déchiquetée et la poitrine ouverte par la déflagration. Son cœur s'affole, mais reste d'un calme étrange. Les autres chars canadiens n'osent pas poursuivre leur offensive. Acceptant une cigarette, Dürr reste silencieux. Sa main gauche attrape une touffe d'herbe qu'il porte à ses lèvres comme s'il voulait embrasser la terre normande où il va bientôt reposer à jamais. Ses derniers mots. Saluez ma femme et ma fille. Il ne dira plus rien désormais. L'Unterscharführer Émile Dürr sera le premier sous-officier de la division Hitlerjugend à être promu chevalier de la Croix de Fer. Le régiment blindé de la division Hitlerjugend reçoit au soir du 27 juin l'ordre d'occuper la côte 112. Durement éprouvée lors des derniers combats, elle ne compte plus que quelques blindés. Le 29 juin, la côte 112 est perdue. Le soir, Max Wünsch reçoit l'ordre qu'il redoutait depuis 48 heures, reprendre la côte 112. Cette bataille est terrible et le 30 juin, les SS trouvent face à eux des hommes aussi courageux et aussi résolus qu'eux-mêmes. Allemands et Anglais doivent en venir au corps à corps. Ils se prennent à la gorge, se battent au coutelas et à l'appel de tranchées. Sur la côte 112, les hommes de Max Wünsch sont vainqueurs. Ils allument nerveusement quelques cigarettes. Tout autour d'eux s'étend un spectacle de désolation et de ruine. Les pertes en hommes et en véhicules sont terribles. Le régiment d'artillerie est réduit de moitié. Le bataillon de reconnaissance ne regroupe plus qu'une centaine de combattants. Et le bataillon du génie a disparu dans la tourmente. Les grenadiers de 17 ans vont se battre le dos au mur, accrochés au faubourg de la ville dévastée, sans autre espoir que de bien mourir pour leur idéal et leur chef. Panzermeier vient d'établir son poste de commandement au milieu de ses hommes. Il veut se retrouver parmi eux lors des terribles combats qu'il devine imminents. Tout se jouera autour de l'aérodrome de Carpiquet. Le 1er bataillon du 2e régiment SS a reçu la mission de le défendre. Ses effectifs ne dépassent pas 200 grenadiers, y compris quelques blessés légers qui continuent de combattre au milieu de leurs camarades. Cette journée du 4 juillet sera rude. Il n'y a même pas 50 grenadiers dans le village de Carpiquet. Le bombardement commence. Les Canadiens attaquent. Depuis 4 semaines, les jeunes SS ont appris à reconnaître les plus coriaces de leurs adversaires. À Carpiquet, les 200 défenseurs de l'aérodrome vont combattre contre plusieurs régiments. Toute l'artillerie canadienne se déchaîne et pilonne l'aérodrome ainsi que ses abords. Les Allemands sont obligés de se terrer dans leurs abris tant que dure ce bombardement. Dès que cesse le tir, les premiers fantassins alliés surgissent des couverts et bondissent. Sur les 50 jeunes SS qui défendent le village de Carpiquet, il ne reste qu'une vingtaine de survivants. Tous les gradés ont été mis hors de combat, tués ou blessés. Ceux qui ont défendu ces ruines jusqu'à la limite de leurs forces sont pourtant décidés à poursuivre le combat. Les deux adversaires ne bougeront plus jusqu'au 8 juillet. Pendant 4 jours, ils vont se faire face sans pouvoir les uns comme les autres quitter leur abri et leur tranchée.
De toute façon, à plus ou moins longue échéance, la grande cité normande est condamnée. Pourtant, le quartier général maintient toujours l'ordre du Führer. Qui tient Caen, tient Paris. Mais qui tient encore Caen? Une division d'adolescents épuisés par un mois d'incessants combats. Au soir du 7 juillet, un énorme grondement remplit le ciel. Un demi-millier de bombardiers alliés attaquent la capitale normande occidentale. Les rues et les caves sont depuis le début de la bataille vides de soldats allemands. Ce sont les civils normands qui vont à nouveau payer au prix fort le tribut du sang. Les jeunes fauves ne pourront plus tenir longtemps l'aérodrome de Carpiquet. Près de 10 000 hommes contre moins de 200 grenadiers. L'abbaye d'Ardennes se trouve déjà sous le feu direct des armées ennemies. Saint-Contest est tombé, mais les grenadiers SS s'accrochent encore aux ruines. L'abbaye va bientôt tomber, les alliés déferlent de partout. Pour Panzermeier, quitter l'abbaye d'Ardennes, c'est tirer un trait amer sur tout ce qu'il fut, depuis l'aube du 7 juin, la vie de son régiment, puis de sa division. Le 8 juillet, l'ordre de se replier est donné. Les chefs d'unité doivent eux-mêmes réveiller les grenadiers épuisés qui se sont endormis sur les trottoirs, sans même déboucler leur équipement. Les rescapés de la division ressemblent à des fantômes dépenaillés. Ils se lèvent en titubant et s'avancent vers les rives de l'Orne. Le 9 juillet commence par une atmosphère étrange. C'est un véritable échec. Le rêve de rejeter les alliés à la mer est bien loin. À la division SS Hitlerjugend, le bilan apparaît terrible. On compte 20% de tués, plus de 40% de blessés et de disparus. En un mois d'engagement, les jeunes loups du Führer ont perdu au feu les deux tiers de leurs camarades. Les survivants sont rassemblés dans la région de Potigny, entre Caen et Falaise. Dans les vergers, à l'abri des bosquets et des haies, se reconstituent des petits groupes d'hommes autour des rares gradés survivants. Il règne une atmosphère étrange. En 4 semaines, ces adolescents ont brusquement vieilli. Ils n'ont plus d'âge, avec leurs visages aux traits durcis, leurs joues creuses, leurs yeux fiévreux. Désormais, les effectifs combattants de l'ancienne division Hitlerjugend sont répartis entre 2 Kampfgruppen. Groupe de combat que commandent 2 jeunes Sturmbannführer, Hans Waldmüller et Bernard Krause. Le régiment blindé de Max Wünsche se trouve réduit à quelques unités de chars destinées à se battre en soutien de ses formations défensives improvisées. Les jeunes SS reprennent une vie normale. Ils mangent, dorment, se lavent. La division Hitlerjugend se trouve réduite à plus de moitié. Mais chaque aurore la voit de plus en plus redoutable. Après un temps d'arrêt, les alliés reprennent l'offensive. Il faudra près d'un mois à ces derniers pour digérer leur victoire et lancer à l'aube du 7 août la grande attaque sur Falaise. Les alliés vont attaquer Falaise avec des moyens impressionnants. 2 divisions blindées, 3 divisions d'infanterie et 2 brigades blindées. À leur tête, le général Simons, le plus jeune de son rang, de toute l'armée canadienne. Panzermeier le définira d'une phrase, un adversaire très capable et très chevaleresque. Les Allemands ont réussi à marquer un très sérieux coup d'arrêt au nord de Falaise. Le bilan apparaît impressionnant. Les Tigres et les Panthères ont mis hors de combat près de 50 blindés ennemis. Les Canadiens ont échoué à l'aile gauche, alors les Polonais reprennent l'attaque à l'aile droite. Le commandement allié veut à tout prix ouvrir la route de Falaise. Suite à des combats acharnés, les 2 Kampfgruppen et le bataillon de grenadiers ne comprennent plus qu'une 100aine de combattants chacun. La division Hitlerjugend est saignée à blanc. Les survivants de la bataille de Caen viennent de sauver la situation devant Falaise. Mais la supériorité alliée est fantastique. La bataille de Normandie ne peut désormais s'achever que par une défaite. Il faut maintenant prévoir le repli général de toutes les forces allemandes au nord-est de la Seine. Le 13 août, les messages alarmistes se succèdent. Avant l'ultime mission de sacrifice afin de protéger la retraite des troupes allemandes, il reste une dernière nuit de repos. Les 500 derniers SS de la division Hitlerjugend se couchent à l'abri des haies et des fossés.
les Canadiens lancent attaque sur attaque. Panzermeier engage ses dernières réserves, 60 grenadiers, quelques mitrailleuses et un unique canon anti-char pour défendre Falaise. Inutile de leur dire qu'il s'agit d'une mission de sacrifice, ils le savent. Maintenant, le moment est venu de mourir pour leur serment. Les 60 grenadiers prennent possession de la ville, tous les volets sont fermés, il ne reste que des rares civils cachés dans les caves. Les rues sont désertes, des tas de gravats partout, les SS repèrent des emplacements de tir. À l'instruction, ils ont appris que le courage n'est rien sans l'initiative et la ténacité. Il faut savoir se battre seul. Quelques grenadiers grimpent se cacher dans les arbres et d'autres prennent position dans des maisons. Les alliés vont lancer 1850 hommes. Pour les soutenir, 20 Sherman, des blindés légers et des canons anti-chars. La bataille est terrible et la situation reste confuse. Les SS tiennent toujours le centre-ville. Pendant toute cette journée du 16 août, on se bat durement. Les SS qui défendent Falaise doivent maintenant se battre seuls, sans aucun appui possible. Sans aucune relève, sans aucun espoir que celui de bien mourir. Le 17 août, vers midi, le nettoyage commence, rue par rue, maison par maison, étage par étage. Quatre jeunes SS mettent hors de combat 10 Canadiens avant de tomber à leur tour. Les engagements sont très durs, impitoyables. Il ne reste plus qu'une vingtaine d'hommes encore en état de combattre. À leur tête, un sergent de 20 ans. À la tombée de la nuit, le 17 août, les alliés sont toujours tenus en échec par les SS. Réfugiés dans une école, cette petite vingtaine de fauves est débusquée. Les assaillants doivent se replier à l'abri du mur. C'est invraisemblable, s'exclame le chef de troupe. Être tenu en échec par quelques gamins obstinés. Il faut les écraser sous les obus, décide le commandant du Mont-Royal. Tout le bâtiment s'embrase peu à peu. Les SS restent silencieux. Les murs se lézardent, les plafonds s'écroulent, les planchers flambent comme des allumettes. Ce sont des loups enragés qu'ils découvrent en face d'eux. Les SS bondissent, tirant droit devant eux. Ils sont criblés de balles en plein vol. Certains retombent dans le brasier. Deux d'entre eux parviennent à s'échapper dans une course folle qui tient du miracle. Aux premières lueurs de l'aube, les fantassins du Mont-Royal seront enfin maîtres des ruines fumantes du dernier bastion SS de Falaise. Ils pourront découvrir ceux qu'ils ont tenus en échec depuis la veille. Stupéfaits, les soldats canadiens découvrent les cadavres de leur ennemi. Ils ont des visages d'enfants. À l'aube du 19 août, il ne reste plus qu'un seul char de ce qui fut naguère la division blindée Hitlerjugend, désormais réduite à 200 ou 300 fantassins talonnés par l'ennemi. Les plus épuisés se laissent tomber au sol, s'endorment quelques minutes. Puis des camarades les secouent et les obligent à poursuivre leur route. Panzermeier et ses grenadiers profitent d'une accalmie pour franchir à leur tour le cours d'eau qui marque la frontière de la poche de Falaise. Sur l'autre berge de la Dive, ils ne découvrent pas la liberté, mais une horreur encore plus grande. Les prés sont jonchés de cadavres et de blessés. Aucune contre-offensive ne pourra désormais enrayer l'avance alliée. La bataille de Normandie est maintenant terminée. La division SS Hitlerjugend y a perdu la presque totalité de son matériel et de ses effectifs. Près de 20 000 grenadiers de 18 ans ont été mis hors de combat entre le 6 juin et le 20 août 1944.